Et tu n'as plus que 5 secondes pour t'abonner à ma chaîne YouTube et activer la cloche de notification si toi aussi tu as avoir tous ces webbugs gratuitement. Comme tu peux le voir, j'offre des cadeaux à tous mes abonnés. Si toi aussi tu as avoir un cadeau gratuitement sur ton compte Fortnite, pour cela tu as juste à t'abonner à ma chaîne YouTube, activer la cloche de notification et bien sûr tu spam un maximum ton idée, ton pseudo Epic Games ou ton pseudo PSN dans l'espace commentaire pour plus avoir de chances d'être tiré au sort. Bonne vidéo! Eh bien salut tout le monde, c'est Fantex, j'espère que vous allez bien. Bien écoutez, pour ma part, j'ai vraiment super bien. Comme vous avez vu au titre miniature de la vidéo, aujourd'hui on se retrouve sur Fortnite Battle Royale. Comme d'habitude, si vous êtes nouveau ou nouvelle, abonnez-vous à la chaîne YouTube avec la cloche de notification. Voilà, ça me fait vraiment super plaisir. On approche vraiment des 70 000 abonnés. Après 70 000 abonnés, les 100 000 abonnés. Du coup, vraiment abonnez-vous à la chaîne YouTube avec la cloche de notification. Et comme d'habitude, le code créateur Fintex dans la boutique Fortnite, voilà. Vous le rentrez comme moi dans la vidéo Fintech BE et cela m'a fait vraiment super plaisir. Comme vous avez vu au titre miniature de la vidéo, aujourd'hui on va tout simplement essayer un glitch Fortnite pour obtenir plus de 13 500 V-Bucks gratuitement. Voilà, ce sera obtenir 13 500 V-Bucks gratuitement. Je sais que tout le monde aimerait avoir obtenir des V-Bucks gratuitement sur Fortnite. C'est pour ça aujourd'hui on va tout simplement tester un glitch que j'ai vu sur TikTok pour obtenir des V-Bucks en illimité. Du coup, tout simplement, ce que vous allez faire, première étape, vous allez vendre dans vos paramètres. Une fois rendu dans vos paramètres, vous allez vous rendre sur le petit logo et là vous allez faire quête d'opinion. Vous allez cliquer sur oui et sur non. Une fois cliqué sur non, ce que vous allez faire, vous allez venir dans la boutique Fortnite. Là vous allez faire soutenir un créateur et là vous allez mettre un code créateur. Moi je vous conseille le mien, mais bien sûr c'est pas obligé, mais ça va faire vraiment super plaisir. Après avoir fait ça, ce que vous allez faire, vous allez cliquer sur la case 13500 V-Bucks. Vous allez cliquer plusieurs fois comme dans la vidéo. Là vous allez cliquer plusieurs fois, c'est vraiment hyper important. Après avoir cliqué plusieurs fois, ce que vous allez faire, vous allez partir dans signalement et retour. Là vous allez attendre et là vous allez faire signaler un bug. Là vous allez descendre tout en bas dans boutique, casier ou salon. Et là vous allez simplement descendre les V-Bucks ou les V-Bucks que j'ai acheté n'apparaissent pas. Là vous allez cliquer dessus et là vous allez faire continuer. Et là vous allez accepter votre message. Voilà, envoi du signalement, merci. Et là vous allez confirmer votre message. Ce que vous allez faire après, vous allez partir dans vos paramètres, quête d'opinion. Et là vous allez vous mettre sur oui. Et là vous allez juste à faire appliquer comme dans la vidéo. Après avoir fait ça, ce que vous allez partir dans 13 500 V-Bucks. Et là vous allez faire comme si vous allez acheter des V-Bucks. Et simplement la case de V-Bucks va devenir gris comme dans la vidéo. Du coup là vous allez cliquer vraiment plusieurs fois comme dans la vidéo. Voilà, vous cliquez et vous revenez pour avoir un écran frisé. Du coup, après avoir une écran frisé sur les 13 500 V-Bucks, ce que vous allez faire, vous allez revenir sur le lobby. Là, vous allez faire paramètres et là, vous allez faire quête d'opinion. Vous allez vous mettre sur non et sur oui. Et là, vous allez juste à partir dans la boutique d'objets. Là, vous allez faire soutenir un créateur. Vous allez faire mettre mon code créateur. Bien sûr, encore, c'est pas obligé. Après, là, vous allez juste à faire choisir le mode de jeu comme dans la vidéo. Et là, vous allez juste à cliquer sur le mode créatif. Voilà, vraiment hyper important. Bien cliquer sur le mode créatif. Du coup, je lis toutes les instructions qui sont dans la vidéo TikTok. Et là, il vous reste juste à attendre le téléchargement. Après, là, vous allez cliquer sur 13 500 V-Bucks. Et tout simplement, vous allez attendre. Et là vous avez juste à faire choisir encore une fois le mode de jeu. Et là vous allez cliquer sur le mode Battle Royale. Et là vous allez juste attendre le chargement. Et tout simplement dans la vidéo TikTok il nous dit qu'on doit attendre un ou deux jours avant de récupérer tous nos V-Bucks. Du coup voilà, je vous tiens au courant sur mon compte Instagram. Du coup voilà, venez me follow. Du coup je partage la technique, si elle a fonctionné ou pas. C'était Fintex, en tout cas vraiment j'espère que cette vidéo vous aura plu. Allez, ciao tout le monde.